Samedi 22 décembre, les époux Méo ont réuni famille et amis à la salle Orchidée de Malencourt-la-Montagne pour célébrer leurs noces d'or. À cette occasion, le maire d'Amnéville, accompagné de deux de ses adjoints, Raymond Répert et André Dalla Favera, est venu féliciter le couple et leur a apporté les cadeaux de circonstance. Dora est née Marino le 4 février 1949 à Volturara Irpina dans la province Avellino. Salvatore est né dans le même village le 25 juillet 1947. En mai 68, alors que Salvatore est en permission, il se rend chez sa cousine, où il rencontre alors celle qui deviendra la femme de sa vie, dimanche 22 décembre 1968. Salvatore a débuté sa carrière professionnelle dans la maçonnerie en Italie puis en Suisse, avant de se diriger dans la sidérurgie pour finir dans la métallurgie à Sassilor, à Romba, où il travailla jusqu'à sa retraite en 2004. Il était alors âgé de 57 ans et avait cumulé 43 années de travail. Le couple a rejoint la France le 22 décembre 1972, soit 2 ans jour pour jour après leur union. C'est en allant simplement passer Noël chez sa cousine que Salvatore décida de ne plus quitter la France. Dora lui a offert 3 enfants, Adolorata, née le 2 janvier 1970 en Italie, Giovanni, née le 27 mai 1971 en Italie, et Valérie, née à Amnéville le 27 octobre 1975. 4 petits-enfants les ont portés au rang de grands-parents, Antonio, Hugo, Tom et Fabio. Salvatore occupe ses journées en jardinant, bricolant ou encore en sculptant sur bois. Dora est passionnée de cuisine et ses petits-enfants en sont les premiers bénéficiaires. Le couple aime passer du temps avec ses proches et en profite pour voyager. En effet, la famille est répartie en Italie, en Allemagne et en Suisse, où ils se rendent volontiers chaque année. Nous présentons à Dora et Salvatore tous nos vœux de bonheur à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage.